Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait une amulette démentaire de luxe. On va juste viser un jet parfait pour mettre une rune trans-vitalité. Ça ira peut-être sur mon Xelor pour certains modes. Je suis un petit peu en train d'explorer les théories craft et c'est une amulette qui est assez intéressante par certains aspects. Et je me dis, bon, je vais m'en faire une trans-vita. Comme ça, je l'aurai et puis je verrai si ça me sert ou pas. Donc on a sauté le PA avec une rune de mage, là on a 95 de puits. Bon, la difficulté c'est qu'il y a PA, 2 PO, 2 invoques, donc des fois quand on a un puits en fait ça se télescope avec les autres et ça fait qu'on crame 10 grosses runes sans avoir une tenta réelle. Là c'est la... J'ai déjà eu une tenta avant, j'avais juste à remettre un PA, un PO, j'étais good, mais on n'a pas eu le PA. Donc là on est à 95 de puits et on est parti. Alors, je vais commencer par l'achat. Hop, on enlève l'over. On va y aller en vrai comme ça. Moins 10. Je vais remettre une Rainée qui passe. Parfait, moins 10. Comme ça, je récupère le moins 3 sur la J. Moins 9. Faut qu'on passe la force. Parfait, moins 10. La petite réfixe. Hop! Lara H, dommage, qui passe pas une fois, deux fois, moins 20. On a quelques raids à équilibrer. Et plus de puits, dommage. Évidemment, le PA repasse. Ah, ça fait. C'est unlucky. Bon, on continue. 93 de puits. Bon. Ça peut le faire. On va commencer par ajuster un peu agi, chance. Âge. En soi, je compte le puits, mais c'est même pas vraiment nécessaire. Ouais, je crois que ça sert à rien que je le compte en fait. On va même pas se casser la tête. On va y aller comme ça. Hop. Je vais enlever l'over à la vie. Parfait. Allez, il faut que j'ai un peu de réussite sur les grosses runes. Tout qui passe en succès neutre, bah, ça me paraît compliqué. Plus de puits. Évidemment, le PA qui repasse deuxième fois. Forcément, quand j'aurai une tenta sur le full perf, ça repassera pas, hein, on connaît. Hein. Bon, là en théorie, c'est une belle tenta parce qu'on est juste après le repassage en crit de l'ancien PA. Et il n'y a pas eu de PO ni d'invoque qui est tombé entre temps, donc là on a un G qui est très haut. En théorie, ça peut faire un truc. On va y aller. Agi. Ah, il faut que je lâche un maxi over chance là. Allez, c'est parti. On a déjà les res qui sont tout au max. Est-ce que j'y vais à la pas là? Non. Je vais utiliser de la prosp pour baisser les over. Ok, mes over passent très très bien. Il me faudrait une rune fuite. Parfait. Allez, la petite rage. Encore une fois, ça passe pas. Mais il y a plein de puits hein. Là vraiment. C'est la fête du puits. La petite rune vie. Un dommage, deux dommages. Allez, mais. Heureusement que j'avais du puits. Hein. Ok, bah j'ai mon full perf. Est-ce qu'on a le PA? Bah forcément! Ok, on a un PA qui tombe à nouveau. On va go comme ça. Je vais chercher les congruences sur force et chance. On va over un tel agi. Allez, faut passer. Mais c'est abusé! Bon, bah dommage. Voilà, là c'est un peu too much en vrai. Je veux bien que des fois ce soit pas simple. Mais là on s'est un peu fait arnaquer quand même. Hein. Évidemment, j'ai de merde, le PA passe, on connaît. Bon, là j'y crois très moyennement, on perd déjà 30 sur l'invoque. On va tester quand même. J'ai presque envie de bourriner la païnée, mais c'est pas forcément très malin. Non, en vrai, on va y aller. Ah ouais, y a deux gros over à lâcher là. Le G, il a pas eu le temps de rebaisser depuis la dernière. On va y aller comme ça. Ouais, j'aurais même pas dû le faire dans l'ordre là en fait, mais c'est pas grave. Hop. Faudrait que celle-là passe. Compliqué, mais
Ça peut peut-être encore donner un truc. Non. Allez, c'est parti. Je vais go. Comme ça, je pense. Allez, il faut que les grosses runes passent. Ça a l'air de se présenter plutôt bien. Nice. Ok. Ouais. Oui, go, go. Plus qu'une. Bah voilà. Allez, le PA et on est good. C'est pas très fun, hein. Ok, le PA tombe sur full dos, full raise. On a vraiment juste les stats à gérer. On devrait y arriver, je pense. Je vais go comme ça, comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Bon, en soi, je pense que les overs vont être à peu près ok. La question, comme d'hab, hein, c'est surtout le PA. Voilà, on y est. Allez, le PA. Toujours pas. Allez, on y retourne. Bah, ça commence bien. Ok, la force peut troller un peu en vrai, faut que je fasse gaffe. Enfin, gaffe, faut cliquer quoi. Ok. En vrai, je peux y aller comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. J'aurais même à la limite pu aller chercher les 76 chances et récupérer en repair, mais bon. On va y aller tranquillement. Hop. Hop. Ah, ça commence à faire beaucoup de runes qui ne passent pas, malheureusement. Ouais. Dommage. Petit bonus. Bon. On va tenter un crit ravi sur cette magnifique canard réalisée en brisage PA. C'est déjà un jet qui est magnifique et très très dur à choper sur un item comme ça avec un plus invoque. Mais monsieur et joueur, est-ce qu'on a le crit ravi, les amis? Pas de crit ravi. Dommage. Allez, on y croit. Tac. J'ai des valeurs pas trop mal en vrai. Je pense que j'aurai pas de problème de puits sur celle-ci. On a juste le PA comme d'hab. Hop. On est bon. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. L'invoque qui casse le PA, c'est pas évident, mais on va tester. Allez, on y croit. Bon, ça va le trolling là. Bah, ça commence bien. Bon, allez, c'est mort. Hein. On y va pour la forme, mais j'y crois plus trop là. Terrible hein, ce qu'on vient de se prendre. Bon. Allez, toujours plus. Next. Ouais. Ça va être compliqué, mais on y croit. Allez, c'est parti. Hop. Il va nous falloir beaucoup de réussite là. Ça va être compliqué. En vrai. Vas-y, on y va comme ça. Ok, le crit la met bien. Je mets une petite rune vie. Nickel. On part en double exo, hein, il n'y a pas de problème. J'ai une invoque à remettre, hein, c'est un peu compliqué. Bah ça va les crits là du coup. En vrai on va y aller comme ça. On va tout crit comme ça, c'est au petit. Allez l'invoque. Je vais mettre le PA d'abord. Ok, next. Le PA qui tombe sur un petit misclick, c'est tout ce qu'on aime. Bon allez c'est parti. On va y aller. Comme ça. Bon, je vais arrêter de compter le puits, hein. J'ai dit ça sert à rien.
Allez, faut que ça passe. Ça peut être compliqué, mais... Hop. Le puits que je perds là sur les grosses runes, terrible. Bon, là on parle d'un jet qui est plutôt haut, presque trop en fait. On va commencer par le gros over qu'on récupère et perd. Je vais avoir des dos à récup aussi. Ça serait bien que ça troll pas trop. Petite rune prosp. Bon là je pense qu'on va avoir une tenta. Voilà. Allez, le PA, ça serait cool. C'est déjà beaucoup trop long par rapport à ce que j'aurais pensé. Je veux juste un jet parfait pour mettre une transe, hein, c'est tout. Toujours pas de PA. Bon, là, elle est belle. On a tout le bac et maxé. Il y a juste les stats à gérer. On part avec 70, ça devrait suffire. On va commencer rang. Aïe. Sérieusement? Là, il va falloir un peu de réussite maintenant. Oh putain, évidemment. Pff. Ok, c'est parti. On va commencer rachat. On va chercher les over à 61. 71. Allez, on est pas trop mal. On devrait avoir une tentée là-dessus, je pense. Sérieusement? Bon, on a le droit de jouer un peu là ou... Et pas de PA, mais bien sûr! Allez, on retente. Le G est pas trop mal. Hop. Hop, ok, on récup direct, c'est pas mal. Tac, tac, encore. Bon, là, ça commence bien. Après, bon, de toute façon, ça se joue sur le PA. Hein. Les tentas sont pas très très durs à aller chercher. Mais je suis assez étonné du nombre de PA qui veulent pas passer, quoi. Allez, on y croit. Mais toujours plus, en fait. Après, en soi, on a deux doigts à mettre. Un PA, c'est rien. Un PO. Ah, ça passe pas, dommage. J'y ai cru. Bon, je vous laisse admirer le magnifique invoque, invoque, PO, invoque, PO dans l'historique. Hein. Évidemment, ça régale. Bon. Je sais pas du tout si on aura assez de pluie pour avoir quelque chose. Ok, on crit. Ça part pas trop mal. Je pourrais presque tenter de la pado, mais non. Ah, j'ai encore toutes les raies à gérer, là. Je suis pas sûr que j'aurai assez de pluie. Allez, le dernier, oui. Les amis, est-ce qu'on a le PA? Ben voilà. C'était pas... Est-ce que j'ai ragé? Pas du tout, je suis zen. Bon, je pensais quand même que ça allait être plié en 10 minutes. Je suis un peu abasourdi. On doit être à presque une dizaine de tentatives de passage PA sur full perf. Donc voilà, il y en avait HDV à 11 millions, mais je l'ai acheté à 1,8 million la MU en gérandum. Mais vu le temps que ça m'a pris, j'aurais dû prendre celle à 11 millions déjà faite. Hein, vraiment, je pensais vraiment que ce serait très simple, mais je sais pas. Bon, voilà, écoutez, c'est comme ça. Après, du repassage PA, ça veut pas dire que c'était compliqué comme item, c'est juste que bah, les PA sont par passés, sont par passés, quoi, c'est comme ça. Bon, donc on va go. Ratavi, sans vita. Donc évidemment, sur Puy PA, c'est un item sur lequel on pourrait aller chercher un over plus que sans vita. Il y en a quelques-unes hein, qui existent déjà en 120, 130 peut-être. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais m'en servir, donc pour l'instant, je fais juste un jet propre avec trans. Sans vita, c'est déjà costaud quand même, hein, comme exo vita, on fait rarement plus que ça quand même. Hop. Et si je confirme ma volonté de le jouer, parce que pour l'instant, c'est vraiment expérimental, c'est pas du tout sûr que je me servirai de l'amulette. Si ça rentre dans mes stuff PVP et que c'est confirmé, peut-être que j'en chercherai une. Alors je pense pas que je tryharderai pour la faire. Mais peut-être que j'en chercherai une déjà réalisée avec plus que 100 de vitalité dessus.
Voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.